réussi, Ratchet. Maintenant, viens me retrouver dans notre zone de confinement. J'ai un plan. Ratchet, j'ai trouvé un moyen d'interrompre les champs de confinement et de libérer les héros. T'es sérieux? Mais c'est génial! Je l'ai aidé! Que quoi? Al? Mais t'es vivant? Oh, mais c'est super! Je croyais que t'étais irréparable! Tu parles, je suis comme neuf. Vise un peu. Oh, oh! Ok! Et alors, on fait quoi? On a mis la main sur tous les plans du dôme de combat. L'ordinateur central, qui se situe à l'étage des commandes, contrôle les champs de confinement. Et en clair, qu'est-ce qu'on fait? On le dérègle? On le pirate? On l'explose. En faisant ça, on neutralise les champs. Ok. Et je fais comment pour accéder à l'étage des commandes? J'ai fait en sorte que la navette du dôme de combat t'y emmène. Mais c'est un aller simple. Ratchet, dès que tu es prêt, tu peux emmener la navette au niveau de contrôle du dôme de combat. Ratchet, dès que tu es prêt, tu peux emmener la navette au niveau de contrôle du dôme de combat. La technologie n'est-elle pas merveilleuse, mes amis? Nous pouvons téléporter les munitions de l'arme de Ratchet avant qu'il ait eu le temps de tirer! Ou encore mieux, les remplacer par de la sauce barbecue! On dirait que c'était le dernier de la clique. Je suis impressionnée, j'avoue. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Je vous ai eu. Il n'est pas du tout fait finir. Tu faisais juste ce jeu avec son moral. Thank you.
Ratchet, dès que tu es prêt, tu peux emmener la navette au niveau de contrôle du dôme de combat. Clank, c'est moi. Tu me reçois? Il y a un truc qui cloche ici. Ça craint du boudin. Tiens, tiens, tiens. Regardez ça, mes amis. Un concurrent qui tente de saboter le dôme de combat. Comme c'est grisant. S'il réussit, il libérera les autres concurrents. Mais s'il échoue... J'ai relié le dôme de combat à 6 gigatonnes de nitroglycérine. Et si Ratchet ne parvient pas à désamorcer le détonateur à temps, cet endroit explosera en un milliard de confettis. Mais vous êtes malade! Au contraire! Si j'étais encore dans le dôme, là, je serais fou. Mais j'ai préféré prendre un peu de distance pour mieux apprécier ce spectacle extraordinaire. Ah ouais? Et vous comptez faire quoi? Des milliers de fans présents dans le dôme? Vous allez les tuer aussi? Non, pas moi! Toi, oui! Maintenant, boucle-la et passe à l'action. Allez, vas-y, petit, ton public t'attend! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'ultime épisode de Dread Zone! Oh mon Dieu, on va tous y rester! L'ambiance est absolument électrique. Le public meurt d'impatience de savoir s'il survivra aux 10 dernières minutes. Oh, mais comment je peux dire un truc comme ça? Oh, j'avais la vue devant moi. J'allais devenir un grand danseur. Allez, reprends-toi, espèce de gosse-là. Merci, Juanita.
la superstar Ratchet est confrontée à son plus grand défi. Désactiver le formidable système de défense du dôme de combat et vaincre Gleeman Vox lui-même. Je saisis cette opportunité pour saluer Ratchet, qui représente un superbe modèle et un véritable pilier pour nous tous. Si quelqu'un peut nous sauver, c'est toi, Ratchet. Nous sommes avec toi, petit héros. Je suis désolé, Ratchet. Je n'ai pas réalisé que je t'envoyais droit dans un nouveau piège de Vox. Mais il existe un moyen de t'en sortir. Détruis les trois générateurs de fusion situés sur la plateforme de commande. Tu libéreras ainsi les navettes de secours qui sauveront à la fois les fans et le héros. J'ai besoin d'un médecin.
maintenant, désactive le deuxième générateur. Mais fais vite, car le... Ce soir, c'est un épisode tragique de Dread Zone, car tout le monde meurt. Oh non ! Dallas, vous vous embarrassez vous-même. Maman, je veux pas partir. Dallas, ce n'est pas le moment. Oh, bébé, ça va, gentil bébé, bébé, pas pleurer. Non, Dallas. Maintenant, reprenez-vous. Regardez-vous. En pleurs et en direct sur l'holovision de toute la galaxie. Vous n'êtes qu'un égoïste. Merci, Juanita. Vos accès de cruauté verbale sont si rafraîchissants. Comment vous dire? Et cette façon de me materner. Bébé adore. Cette fois.
puisque nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances, j'ai des aveux à faire. Tout d'abord, à Timmy Aberdeen, c'est moi qui ai mis le feu à ton sac à dos. Navré que tu n'aies pas pu l'enlever à temps. Ensuite, à Susan Finkelton, c'est moi qui ai mis le tyrannoïde dans ton vestiaire. En fait, il paraît que ta thérapie fonctionne bien. C'est cool, continue comme ça. Juanita, ma chère, ma très chère Juanita. Je m'excuse pour ces 6 dernières années de blagues, d'allusions grivoises et de pince-fesse dans l'ascenseur, même si on sait que vous adorez ça. Ratchet, accélère s'il te plaît. La station va exploser dans quelques secondes. Les champs de confinement sont désactivés. Cette station n'est plus verrouillée. Bien. Monte dans une navette et fiche le camp. Pas question, Ratchet. Je ne partirai pas sans toi. Pour l'amour de Blarg, épargnez-nous vos pleurnicheries avant que je perde tout mon audimat. J'attendais ce moment depuis très très longtemps. Je vais offrir aux
fans de Dread Zone, la grande finale qu'ils attendent. C'est un court-métrage intitulé « La mort du Lombax ». On te verra dans les rediffusions. On dirait que Fox a plus d'une corde à son arc. Ça va être le match du siècle. Considérant que nous mourrons si l'équipe d'Arcta perd, c'est un euphémisme. Un euphémisme, un euphémisme. Quoi qu'il en soit, nous allons droit vers le concours de moustaches grillées. Les gars, je vais sortir de mon personnage, le temps de vous dire la chose suivante. Faites attention, sinon on est tous cuits! Discrétion parentale fortement conseillée. J'ai misé 500 boulons sur ce match. Dallas, nos vies sont dans la balance et vous vous amusez. Ne faites pas comme si ça vous ennuyait. Vous n'en avez jamais rien eu à faire. Et voilà, je me suis encore fait sauter une veine. Quelqu'un a un mouchoir? Rebondissement du troisième acte. Le grand vilain teigneux est encore plus grand. Cette année dans Dread Zone, ce que le public préfère, c'est la bataille climatique du robot géant. Je ne vois rien. Est-ce que l'équipe de Darkstar est morte? Dallas? Que se passe-t-il? Dallas? Que faites-vous? Mon doigt détente commence à me démanger. Un euphémisme. Quoi qu'il en soit, nous allons droit vers le concours de moustaches grillées. Discrétion parentale fortement conseillée. Oh, personne n'a vu ça venir. Ça s'appelle un rebondissement. Le public veut du spectacle. Je vais lui en donner. Permettez-moi de passer à quelque chose de plus confortable. Cette année dans Dread Zone, ce que le public préfère, c'est la bataille climatique du robot géant. Je ne vois rien. Est-ce que l'équipe de Darkstar est morte? Dallas? Que se passe-t-il? Dallas? Que faites-vous? Rien du tout. Gardez les yeux fermés. Ah! Discrétion parentale fortement conseillée. Ça.
pense qu'on devrait revoir mon contrat. Tiens, adresse-toi à mes avocats. Tu as un prix. Le début d'une collection. Il faudra peut-être que je te fasse signer un contrat. C'est fini, Vox. Non. Pas tout à fait. Séquence destruction entamée. 60 secondes avant pulvérisation du dôme. Il ne reste plus une seule navette de secours. Nous allons donc mourir ensemble, en direct, à la Holovision. Je vais pulvériser mon record d'audimat. Même si ce soir j'arrive pas à m'en sortir, beaucoup d'autres héros auront été libérés. Profite de ton idéalisme pathétique. Pendant les dernières secondes de ta vie. Quoi ? Monte vite, Ratchet, il n'y a plus de temps à perdre. Attends deux secondes. Non ! Attention, Ratchet. Wouah ! Terrible explosion ! Oh, c'était géant ! Encore une fois ! Bouge ! C'est mon tour maintenant ! Non, c'est mon tour, sale morpion ! Allez-vous-en ! Vous allez écouter vos aînés un peu, oui ? Yeah ! Oh ! Eh, tu as vu ce qu'elle a... Ah, aïe, aïe, yeah. Quoi? C'était la seule navette? Je n'avais pas le choix. Hey, radiophone, ok, on reçoit des messages. Ratchet, Clank, c'est Kid Nova. Franchement, j'ai cru que c'était la fin. Je vous dois une fière chandelle. Hey, Ratchet, c'est Aquagirl. Si tu repasses à Aquatos, passe me rendre visite, ok? Ouais, Aquatos, c'est sympa cette saison. Oui, c'est vrai. Encore d'autres appels. Ratchet, Clank, c'est moi, le capitaine Quark. Il y a une rumeur qui court en ce moment sur des héros qui seraient kidnappés, mais pas de panique, c'est du pipeau. Réfléchissez, personne n'a jamais tenté de me capturer, moi, non? Alors, vous imaginez un programme sur les héros galactiques sans le capitaine Quark? Ah! Enfin, bref, vous savez que vous avez raté les trois derniers meetings du fan club des Castor Quark, les gars. Mais pas de soucis, je vous ai mis de côté des exemplaires de la newsletter et même quelques bonbons. Non, ne me remerciez pas.
disait qu'on devait approcher d'une station spatiale. C'était le cas. Mais comment pouvais-je deviner qu'elle allait exploser? Lorraine! Oh, Pamela. Ce fut si long. Trop long. Oh, dis-moi que tu ne me quitteras plus pour cet affreux Striker. Oh, John! Tu me fais redevenir petit garçon. Comment? Ratchet, dès que tu es prêt, tu peux emmener la navette au niveau de contrôle du dôme de combat.